On est bientôt arrivé en haut des crêtes. Tu vas prier? Oui, ainsi soit-il. Amen. On est à la 12e croix. Ceux qui ne sont pas en forme, ils crèvent ici. Il fait bon. Ouais, il fait très bon. Je dégouline. Oh putain. Et on a rencontré une dame, une senior. Voilà. En soutien-gorge. Et pas de chapeau. Tout faux, quoi. Tout faux, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, à moi. Voyons, regardez comme je dégouline. Oh putain. Bien ça. Voilà. Allez. On est au-dessus du village. Et encore, on n'est pas plus haut, on va sur les crêtes là, au-dessus du village de Loubier. Ouais. Avec là-bas en face, je ne sais pas si vous voyez, une montagne toute seule avec l'ermitage du Mandéou, qu'on a fait avec Michel Igos. Splendide dans la neige. C'est très beau. Hein. Là, le village de Loubier. Il y a quand même un camping avec piscine. J'arrive! Un camping avec piscine et une piscine municipale. Mais magnifique. Très beau. Allez, j'y vais. Il commence à faire un peu bon. Et exactement, parce qu'on va terminer par un canyon de 5 km. Et après, on va visiter le village de Loubier. Mais. Et à mon temps, il y a du vent. Du vent frais, je suis contente. Tu sais à quoi je rêve là? Le plouf que j'ai fait hier dans la baie Saint-Jean-de-Luce. Ouais, mais j'en rêve. Allez. Hop là. Ouais, dans une hôtel. Style brousse sur 900 mètres. Indiana Jones. Voilà. Tout est indiqué comme il faut, quand même, des petits sentiers comme ça, avec des cairns. Voilà, et puis on a bientôt fini. Voilà, super. Non, mais je vais trouver, oui. Voilà, on sort de cette broussaille. Alors voilà, les jambes. Les belles jambes de Cathy pour l'été. Oui, Oscar, oui, mais j'aurais cicatrice. Je voulais mettre vous quoi en... Et là on plonge sur le canyon. Voilà. Là on plonge sur le canyon. Et on l'a. On va bientôt plonger. Waouh, magnifique. Je vois là l'arc. Ouais. Où es-tu? Coucou. 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 Un dur combat, hein. Mais on savait qu'on allait y arriver. Nous sommes des lagos. Voilà, nous sommes en train de pique-niquer sous l'arche. Indiana Jones à mes pieds. Indiana Jones, comment c'était? Montre tes jambes. On aurait mis les pantalons longs si on avait su. Hein. Pareil. Donc là.
sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas. Pas terrible. On prend de là-haut, là en dessous, devant nous, le grand rocher vertical. Il y a une arche, donc on nous a orangé une arche. C'est magnifique. Là, là-bas, il y a une autre arche qui est très belle aussi. Et voilà, là nous descendons vers le canyon. Parce que c'est ces espèces-là d'arbustes. Voilà. Et nous empruntons ce sentier. Voilà. Pour descendre vers le canyon. Je voudrais filmer jusqu'à ce qu'on le voit. Je crois qu'on devrait le voir d'ici. Je crois, je ne suis pas sûre. On le voit pas d'ici le canyon. Je le vois pas. Caché par les collines là. Ah d'accord. On est très loin en plus. Allez. Allez, direction. Et nous approchons de la faute de Rumier. Le fameux canyon. Du haut là-bas où on était, on a quand même pris d'une heure hein, pour descendre. Là, on a dû marcher un paquet. Il fait 32 degrés. Bon, j'ai plus dans un bidon, mais j'ai acheté un bidon où je peux prendre de l'eau de la rivière et il me nettoie l'eau. Donc, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà. On va passer ce tunnel et après, on va se retrouver dans le canyon. Ça va être magnifique. Vélo au milieu. La route est à qu'on appelle la fosse. Voilà l'oiseau qu'on rencontre là-bas. Le roquero solitaire. Allez, c'est parti. Où est la go? Oh là là, qui fait noir. Oui, mais Jean-Jacques, après on va rien y voir. Tu as pris la lampe? Ah, mais mets la lampe. Ah bon, ça y est. Allez. On a passé le tunnel sous les rochers. Je pense qu'en sortant, on va être surpris. On aura dans le canyon. En effet. Il y a une chauve-souris. Waouh. Aïe, magnifique. Hop, dire qu'on est à même pas 2 heures de Saint-Jean-de-Luz. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là là, toute beauté. Aïe. Qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce qu'on aime ça. Oh là 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 là. Comment ne peut-on. Oh, que c'est beau. Oh là, et il y a un aigle là-haut. Là, voilà où sont les aigles. Voilà que c'est beau, on va descendre chercher de l'eau pour le bidon spécial que j'ai. Voilà. Alors là, voilà où ils nichent aussi sûrement les vautours. Voilà où ils nichent. Voilà mon nouveau bidon. Là, quand on n'a plus d'eau, tu vous remplissez dans une rivière, rien de titre. Ouais, très bien. Termine alors, Jacques. Oui, il fait 32. Et on est parti depuis ce matin 11h15. Hein.
Il est quelle heure là, Jean-Jacques, hein? Quelle heure est-il? 4 heures, hein. Et puis 11h15 on est parti. On s'est arrêté un quart d'heure pour pique-niquer, et voilà. Oui, mais bon, le sentier, il n'est pas indiqué. C'est pas grave, on a le GPS, on s'est bien débrouillé. Voilà. Magnifique. Magnifique, c'est une piscine naturelle, mais extraordinaire.